palestinien. Mais quand vous dites épuration ethnique, au détail, est-ce que vous êtes convaincu qu'il y a là un projet organisé, y compris avec le soutien du gouvernement israélien, ou qu'il s'agit d'initiatives individuelles malheureuses, condamnables et d'ailleurs criminelles, mais qui ne sont qu'à l'échelle individuelle? Ah mais non, c'est très clair, il n'y a même pas d'ambiguïté là-dessus. Vous avez le ministre de la Sécurité nationale, qui s'appelle M. Ben Gvir, qui n'est pas d'extrême droite, qui est d'ultra-droite, et qui dit publiquement que son objectif c'est d'expulser les Palestiniens de Cisjordanie, et qui distribue en ce moment, qui distribue des armes aux colons. Non, la colonisation a toujours été une entreprise soutenue par l'État israélien.